transformation Super Saiyan 3 que je pleure. Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur la Grande Crosse et aujourd'hui on part pour faire du PVP. Alors on va aller tester tout simplement la petite terrierie en PVP et franchement les gars, que ce soit en PVE ou même en PVP, elle est juste insane. Donc la team que j'utilise en PVP avec terrierie, c'est celle-ci. On va voir ça tout simplement ensemble directement. Là voilà, donc personnellement j'ai mis Arthur en back, mais il est tout à fait possible de le changer. Si par exemple vous avez un, comment il s'appelle, un King Rouge, vous pouvez très bien mettre King Rouge en back, il fera amplement l'affaire, et ce sera peut-être même un petit peu mieux. Tout simplement, il vous empêchera de prendre un maximum de dégâts, comme par exemple quand une team, tout simplement une team perforation, ou même quand tu team rouge, ça vous permettra de survivre un petit peu plus. Donc en gros, grosso modo, j'ai mis Arthur, tout simplement pour son passif, car Arthur va me permettre tout simplement de permettre à mon scanner vert de survivre un petit peu plus, puisqu'il augmente les stats de PV de tous les alliés humains de 15%, donc ça leur ajoute des points de vie, du vampirisme, et donc du coup c'est très important. Parce que quand on tombe contre une team mono rouge, notre scanner il est tout simplement là pour espérer avoir un Cruel Sun de niveau 2 grâce à tout simplement notre cher Gozer ici présent pour empêcher tout simplement s'ils ont un Arthur 3 à leur scanner rouge de faire un maximum de dégâts. Donc moi, une fois que ça c'est fait, bah voilà, moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve en PVP pour le premier match. Alright boys and girls, qu'est-ce qu'on a? Oh, une King Bram. Oh nom de Dieu. C'est quoi cette team, les gars? Ça existe? Je savais pas, gros. Franchement, ça doit être nouveau. C'est un nouveau personnage, lui? Je savais pas. Bah là, c'est Showcase Derrieri, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, clairement, on part sur un Showcase de Derrieri, moi, je vous le dis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même commencer à taper un petit peu son Gozer. Parce que là, ça va rush de l'ulti comme jamais, gros. Là, ça va rush de l'ulti comme jamais. Transformation Super Saiyan 3! J'aurais dû mettre sa coiffure de Super Saiyan 3 là, je suis con, désolé. Ouh, mais attendez, Bon, alors, qui est-ce qu'on tue au prochain tour? C'est la question que se pose 1 million de téléspectateurs derrière cet écran. Ils sont là, ils sont tous assis. C'est comme le journal de TF1, c'est exactement la même chose. Donc là, on va tout simplement avoir notre... Tu vas arrêter d'être chiant? Putain. Allez, dégage toi. Non, je pense pas le tuer quand même, on va se calmer. Ah, quoique. Derrieri ! Voilà ! Une petite gifle là. On appelle ça la gifle des ténèbres, gros. Showcase de Derrieri là. Showcase de Derrieri, ok ? Donc là, clairement, toi t'es mort. Ça fait un plaisir de t'avoir connu, mon gars, mais t'es mort. Il y a peut-être me. Ouais, quoique, non. Voilà. Et là, il va me pétrifier. I can see in the future, gros. Oh là là, mais... en vrai, je devrais faire commentateur pour cette DS. Hein. Je vois le futur, mec, c'est juste un délire. En fait. Si je fais 1, 2, 3... Ouais, mais là, il a 2 ultis, mec. En vrai, c'est la lose. Donc, on va faire 1. Et on va empêcher de jouer, quand même, au cas où. Ce mec a vraiment une chatte pas possible, hein. On va dire ce qu'il y a, il a quand même une chatte pas possible. Parce que là, je vais me prendre 2 ultis, probablement 2 ultis P6. Et j'ai perdu. Les joueurs rusher d'ult. Il y a même un soin qui ne sert strictement à rien. Mais gros, t'as pas vu qu'elle est en mode évitement là ou quoi? Tu connais pas le Super Saiyan toi en fait? Ah, quoique non, je survis ça. Tranquille. Tranquille! On tank, ok? On tank. Donc là, tu m'as saoulé. Est-ce que vous êtes prêt pour le combo star? Combo? Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On garde une carte de Derrieri, comme je l'ai dit toujours, pour pas perdre les boosts. Et voilà. Combo star, les gars. Hop, paf! Combo breaker, les mecs. Allez, bam, 195 000. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, dans ta gueule. Que je pla... Ça me fait un plaisir fou de taper avec Escanor. C'est pas prêt. Pourquoi on n'a pas eu une petite carte level up de Gozer, sérieusement? Il est là que pour ça. Hein. Vous savez, Gozer est là pour des cartes de level up. Level up de Gozer, s'il te plaît. Level up de Gozer. Level up de Gozer. Level up de Gozer. Chut, faut lui susurrer à l'oreille comme ça.
Putain, gros. On va l'empêcher de jouer, comme ça on pourra ulti avec Gozer. Que je plaît! La petite main des ténèbres. Voilà, toi tu joues pas. Regardez les boosts qu'il commence à avoir au-dessus de sa terre. En vrai, ça fait hyper peur. Hein. Mais non, mais mec, c'est Derry en vrai qu'il faut pétrifier. Ou alors Gozer en fait, parce que Gozer avait son ulti. Je vous laisse ce combat, hein, parce que vous m'avez dit qu'il n'y a pas de bot en champion. Mais clairement, vraiment, c'est pas que je veux pas vous croire, les gars, mais. Mais c'est compliqué, hein. Paf! Transformation Super Saiyan. Voilà, et la petite gifle. Oh là là! Derrieri! Ah, oh, Derrieri! Allez, à tout de suite. Ok! Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, laisse-moi commencer en premier, s'il te plaît. Là. Yes! Yes, on commence en premier! Enfin, pouvoir jouer Derrieri! Oh là, on a la main, juste la main parfaite en fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait ça. Pouf, pouf. On fait ça. Pouf. Et ensuite, on fait ça. Bon, là, ce qui est pas de chance, c'est que. En fait, quand t'as cette main et par exemple, tu commences en deuxième, bah t'as ton ulti avec Gozer en fait. Et les mecs en face peuvent pas jouer. Le pire, c'est quand tu tombes dans une mono rouge et tu fais ça. Pour les mecs, ils pleurent en face. S'ils ont pas le. Comment ça s'appelle là? L'immunité de Arthur là, le Excalibur. Bah, il fait rien quoi. Ah, il rush l'ulti d'Escanor. Great idea, great idea. Moi, je vais juste déplacer mes cartes, histoire de rusher mon ulti. Ouais, trop bien, trop bien. Faire ça, en tous les cas, il va sans doute buter ma Derrieri, donc tant qu'à faire, les gars. Je pourrais jamais vous faire un petit showcase tranquillement, ça sert à rien, puisque tout le monde veut tuer ma Derrieri dès le début. Putain. Transformation Super Saiyan 3, que je plaît. Oui, non, mais vous savez, moi je rush mon ulti. Donne-moi une carte de Derry par contre. Carte de Derry. Et là, je pleure parce que bah je vais perdre tous mes boosts. Putain de merde. Ah, fait chier. Ah, j'avais fait le départ juste incroyable. Et non. Putain, je lui ai mis 88 000 alors qu'il avait King en back, hein. Juste insane ce perso en fait. Là je vais jouer cancer moi. Je suis désolé hein. Mais putain, je savais que j'aurais pas dû faire ça. Ben on va jouer cancer jusqu'au bout les gars. Hein. Vraiment dans la vie il faut être cancer. D'ailleurs si vous êtes du signe astrologique cancer, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'était pas mon cas. Hein. Blâme. J'aurais pu attendre encore, mais on sait jamais si avec cette biatch là, il a son truc là. Tiens, Ikimasu là. Non, regardez les buffs de Derrieri. Et bon, c'est pas grave parce qu'on a augmenté tout simplement nos caractères. Bon, une carte de Derrieri, gros. C'est possible ou il faut faire un appel à la NASA? Sérieusement, on a aucune carte de Derrieri? C'est quoi cette merde? Putain. Pour une fois que j'avais un départ juste incroyable, quoi. Tu Gozer, comment ça j'ai des cartes de Derrieri? Chier. Sérieusement, on fait chier, gros. On va continuer de jouer cancer, hein, parce que skip dans la vie, ça fonctionne bien. Showcase de Derrieri, hein, showcase de Derrieri, hein, pas oublier, c'est très important. Notez-vous ça dans le crâne. Hein. Que je plaît Kimasu. Donc là, il m'enlève mon ulti. Tout est calculé, les gars, tout est calculé. Et c'est maintenant que j'ai une carte Derrieri. C'est quoi cette carte, en plus, sérieux, là? J'ai pas besoin de ça, j'avais déjà un niveau 3, j'aurais pu mettre des dégâts juste insane. Le petit heal qui fait plaisir et il m'enlève mon ult, non? Ah si, voilà, quand même. Très important. Toujours enlever l'ulti des gens. Voilà. Parfait. Oh. Combien de PV tu as, toi? 41 000? Oh. Est-ce que si je fais ça, 1, 2, 3, est-ce que je le tue? Non, clairement, je le tue pas. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça, on va faire ça. Et showcase de Derrieri quand même. Hein. Au bout d'un moment, c'est le showcase de Derrieri, les gars. Donc on va faire ça. Et on va espérer que ça tue. Bon, ça tuera jamais.
Ouais, quoique si Derrieri. Putain! Putain, s'il est spécis là, bah je perds Gozer et Derrieri en fait. Je savais que je voulais rank up mon Escanor pour être sûr de le tuer, mais je me suis dit je suis au caisse de Derrieri en fait, j'ai pensé à vous, mais j'aurais pas dû. Au bout d'un moment, faut que je pense à la victoire aussi, un peu Zarak. Ah la putain! Sa mère, bordel! Allez, voilà, il a encore un heal en plus, mais Taras, ouais, sérieusement. Il m'enlève même en ulti là, je rush quitte. Clairement, je rush quitte. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Va te faire ça, toi. Toi, tu dégages. Allez là! Voilà, tu dégages. Faire ça. Pour être sûr de te buter, on va te mettre un Ikimasu en plus dans la gueule. Koué Dana Tano Onki Tesni. Bon bah écoutez, Derrieri showcase les gars, Derrieri showcase. Hein. Sérieusement, je peux rien faire avec Derrieri quoi. C'est un délire. Hier quand je jouais tout seul sans record, je faisais tout avec Derrieri. Mais aujourd'hui, il SP combien ton king là? Avant que je pleure. Il SP 2. Ouais, oh, ça va faire mal SP 2 quand même. Combien de PV tu as? 74 000, ouais, non, je te tue jamais. On va tout simplement aller tuer quand même juste Lydia, histoire de la tuer quand même. Et il est possible que bah il gagne sur ce coup-là, en fait. Putain, ça, merde. On croise les doigts. On croise les doigts. Escanor, peut-être, est mort avec le bonus de dégâts. Mais ensuite, bah Arthur, il va carry tout seul. Il n'y a pas de problème, les gars, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions dans la vie. Voilà, putain, sa mère, ça fait mal. Ah, oh, j'en souffre encore. Bon, vous savez ce qu'un grand homme a dit dans la vie? Rocher l'ulti. Désolé, hein. Mais on parle d'Arthur. On parle du roi Arthur, gros. T'as cru que t'allais gagner face au roi Arthur ou ça se passe comment? Donc on va se booster, histoire de te donner un petit tour d'avance. Là, on se booste un petit peu comme ça. On fait peur aux gens. Alors là, on montre qu'on a Excalibur qui est prêt. Là, il se dit, oh, j'ai peut-être une chance de gagner. Oh, dans la vie, tout est possible. Ouais, mais non, pas en compagnie d'Arthur, mec. Pas en compagnie d'Arthur, ok? Viens ici, Cerbère. Allez, dégage. Next match. Ah, putain, encore un truc qui va rush l'ulti. Il va rush l'ulti de Diane et de King, putain. Ah là là. Vous savez quoi? On va être chiant jusqu'au bout, les gars. On va être chiant jusqu'au bout. On va être chiant jusqu'au bout. Parce que là, ça me casse les couilles. Voilà, clairement, ça me casse les couilles. Ça, c'est le genre de team que j'aime bien péter la gueule en mono raid en fait. Parce que dès le début, tu commences avant, tu up ton Escanor, tu balances une AOE, le mec il se retrouve avec une carte d'ulti, il est là, il sait pas quoi faire. Oh putain, oh qu'est-ce que je fais? Non, je peux pas avoir mon ulti, non, non, ma vie est fichue. Mais sérieusement quoi. Bon, là, on va tuer King. King il a combien de points de vie comparé à Diane? 71 000, ok, et Diane, s'il te plaît, vite, parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme tout à l'heure. 69 000. On va rusher Diane, faire ça. Non, merde, oh là là, j'ai pas pu avoir. Sérieusement, il n'y a pas assez de temps pour jouer dans le jeu vidéo. Quand tu dois réfléchir comme moi, c'est un peu compliqué. Je fais un soin juste pour avoir mon ulti. Non mais vous voyez à quel point c'est complètement débile. Genre... Oh là là, c'est pas lui que t'aurais dû pétrifier, gros. Il est SP combien? SP 1? Oh, tranquille alors, tranquille. Toi, tu dégages en fait.
Allez, dégage, gros. C'est comme ça qu'on joue à cette déesse, tu vois. Il est SP1, donc en vrai, j'ai pas grand chose à craindre. Il aurait été SP6, bah j'aurais pleuré. Enfin, non, je l'aurais attaqué lui en gros. Mais SP1, ça devrait aller. Ouais, voilà. Il aurait été SP6, j'étais mort. On va dire qu'on a eu un petit peu de chance sur ça, hein. On va dire ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais, gros? T'aurais pu me pétrifier ma derrière là, en fait. Mais vous voyez, il peut pas avoir son ult, il sait pas quoi faire. Il est perdu. Oh, qu'est-ce que je fais? Non. Bon, toi, tu vas te prendre un combo star, du coup, hein, tu l'as compris. Hein. Ouais. Showcase de derrière rien. Hop. Et est-ce qu'on fait le tout pour le tout? Non, on va garder une carte de derrière, parce qu'il faut pas oublier qu'on perd des buffs. Transformation Super Saiyan 3, voilà. Que je bla combo star dans ta gueule. Paf, 200 000. Allez, bam. Putain, cet ulti est si fort. Ah, dégage. Ikimasu. Regardez le nombre de buffs qu'elle a au-dessus d'elle. C'est un tank. Sérieusement, c'est un tank, quoi. Ouais, Oh, elle va se prendre un niveau 3. Oh, combien de dégâts on va lui mettre, les gars? Oh. Je ne donne... Oh, vous savez quoi? On va même lui mettre une petite brûlure. Comme ça, on va lui mettre au moins à 150 000. Hop. La petite brûlure. Et là, la gifle des ténèbres. Bam! Du coup, voilà. J'espère que la petite vidéo avec Derrière vous aura plu. C'est bien longtemps qu'on n'avait pas fait de PVP. Et là, avec un nouveau personnage, je me suis dit que c'était le moment parfait. Et franchement, c'est assez marrant. Bon, le taux de victoire n'est pas autant que celui avec, tout simplement, Escanor Rouge. Mais voilà, ça permet tout simplement de s'amuser quand même un petit peu, de changer un peu. Même si je vois plus trop de mono rouge en ce moment. Je vois plus des compos un peu rush ulti, des choses comme ça. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. La bise.